niveau de manifestants. Pareil du côté des CRS, hein, je précise. Donc le groupe au début a été stoppé par un groupe de CRS qui est sorti de nulle part. Ils ont vite riposté donc les CRS ainsi que le groupe de manifestants. Donc là, il y a pratiquement tous les manifestants de Place République qui se déplacent. Donc très gros groupe de manifestants qui se déplacent très tôt, parce que là je vous rappelle il est 23h13, d'habitude les groupes de manifestants se déplacent vraiment vers les coups de minuit, 1h, là ce coup-ci ils sont partis très tôt, très gros groupe, hein. Là je sais pas si vous allez pouvoir voir. Donc pour l'instant, il y a eu, de ce que j'ai vu, il y a eu 5 vitrines cassées. Alors là, le groupe s'arrête. Je ne sais pas si vous voyez vraiment la longueur de ce groupe. Alors cette fois-ci, je vais éviter de me rapprocher trop près des CRS tant que le groupe n'est pas là, parce que l'autre fois, je me suis fait matraquer et casser mon téléphone, donc je vais éviter de prendre des risques. Donc là, je suis tout devant le groupe. Donc là... un écran de Vélib vient d'être totalement défoncé. Donc des tags en train de se faire avec marqué insurrection. Donc encore une fois, beaucoup de monde. J'évite de m'arrêter trop longtemps parce que comme le groupe avance assez vite. Là, il y a beaucoup de vitrines, beaucoup de casses. Alors un Franprix, alors là, Franprix est... Là, je vais essayer de passer pour vous montrer un peu le groupe. Donc, beaucoup de vitrines cassées. Voilà, donc c'est un Franprix.
Donc beaucoup de... Alors, le Franprix a été ouvert, les gens sont en train de rentrer dedans. Donc ils se font huer parce que tout le monde rentre dedans. Donc ils ont pris beaucoup de bouteilles. Beaucoup de casse. Là il y a des vols totalement de nourriture, d'alcool. Donc ouais, ça va. Ouais, t'as un niveau 2. Donc voilà. Ah ouais, j'ai beaucoup de casse, l'alarme s'est allumée. J'ai commencé à suivre mais ça a coupé. D'accord. Donc l'alarme s'est allumée. Ça va alerter la police. Du coup. Donc beaucoup, tout le monde l'a eu, hein. C'est vraiment un petit groupe qui a dévalisé le magasin. Voilà, donc ils se sont tous fait huer. Parce qu'ils ont tous volé des bouteilles, de la nourriture. Donc je vais me rapprocher de l'avant encore une fois, parce que c'est très très tendu, hein, comme situation. Il y a un petit groupe vraiment qui sont là, qui sont présents, qui les grattent tout, donc je ne sais pas du tout si c'était prévu ou quoi. Donc, donc la police là-bas, je ne sais pas si vous verrez d'ici, la police est en train d'arriver. Donc comme j'ai dit, les CRS tout à l'heure, un petit groupe était là, a réussi à contrer le groupe de manifestants et à faire demi-tour. Ce groupe de CRS était vraiment très très sous tension, tout comme les manifestants à l'avant. À l'arrière, ils sont très calmes, hein, ils sont calmes. À l'avant, pas du tout. La preuve, hein, ils ont vraiment saccagé un magasin Franprix pour passer prendre des bouteilles et de la nourriture. Donc là, ça court un peu de partout afin d'éviter les CRS. Donc je vais essayer de suivre le groupe parce que sinon on va être bloqué, je pourrais pas suivre le reste. Donc, les CRS sont au bout là, je sais pas si vous voyez les gyrophares. Alors il y a des lasers verts qui sont pointés sur les CRS. Donc ils contournent les CRS via une rue à droite. Donc là ils sont tout proches. Hein. Donc là c'est très tendu. Hein. Ils arrivent par derrière, les CRS. Donc vu ce qui s'est passé cet après-midi, je pense que ça va être violent. Il va y avoir beaucoup de bombes à lacrymogènes, je pense. C'est en train de courir, donc je cours. Je suis le groupe. Donc voilà. Là, il y a beaucoup de monde. Si je réponds pas à vos messages, c'est normal. Ça court très vite. Un très gros groupe de manifestants. Sur le périscope là, ma gueule. Il y a combien de gens? Kiffent, t'as beaucoup de likes, tout ça, c'est bien. Oh, ça m'intéresse. Les gens ils kiffent. C'est sur quoi là? Ouais, périscope. Ah bah, de périscope, ça va les gars, quoi. On est là. Donc, je suis un peu à l'arrière là. T'es le gars aux 80 000 followers là sur Facebook? Non, ça c'est Rémi. C'est un pote à toi? Bah c'est un collègue du coup, on fait pareil. On essaie de suivre un peu les événements. Magnifique. Bon courage les gars. Merci. Bon courage, ce que vous faites, c'est magnifique. Merci, c'est gentil. Soulève-toi. Donc là, je ne vois aucun CRS d'ici. Donc ils ont pris une rue, le groupe de manifestants a tourné à droite. Pour l'instant, je vois aucun CRS. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de dégradations, des magasins qui ont été volés,
la CCI qui a été cassée. Première fois depuis ce mouvement qu'il y a un véhicule qui suit la foule. Grosse tension dans le groupe des manifestants ainsi que dans le groupe des CRS. Tout à l'heure c'était très violent. Oui, alors ma batterie a juste ce qu'il faut, hein, vous inquiétez pas. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai une autre batterie en plus. Là, des poubelles sont mises au milieu de la route. Sûrement dans le but de bloquer les véhicules de police s'ils arrivent. Si vous souhaitez, vous pouvez empêcher les messages de votre côté. Moi, je pourrais pas, mais vous pouvez. Un bon groupe de 400-500 personnes, je pense. Donc là, ils nous demandent d'aller assez rapidement. Alors, les CRS arrivent de la gauche. De la gauche ici, là. Alors, je vais essayer de vous filmer ça. Là-bas, ils sont là-bas. Donc, j'ai évité de me traîner là. Je vais avancer là-bas. Donc, on voit un très gros groupe de manifestants. Beaucoup de tension dans ce groupe et dans les CRS. Donc, à pratiquement toutes les rues, il y a des dégradations de vitres, de vitrines, dont un Franprix qui a totalement été détruit. Donc là, on est dans l'avenue Claude Vélefaux, dans le 10e arrondissement. Donc là, il y a un pôle emploi, je sais pas si vous voyez, qui est en train de se faire détruire. Donc beaucoup de destruction de vitrines, dont un Franprix qui a été saccagé et volé. Donc beaucoup de vitrines saccagées. Dans chaque rue, pratiquement, il y a au moins deux vitrines saccagées.
beaucoup de tension hein, dans ce groupe de manifestants. Donc très gros groupe, hein, je le rappelle. On peut le voir ici. Donc là, je suis presque à l'avant. On peut remarquer vraiment qu'il y a un très très gros groupe de manifestants. Je rappelle hein, beaucoup de vitrines cassées, dont un Franprix qui a été saccagé et volé. Donc ce sont principalement des bouteilles qui ont été volées ainsi que quelques paquets de nourriture d'après ce que j'ai vu. Poubelle renversée. Pour récupérer deux bouteilles de verre. Oh putain! On vient de recevoir deux bouts de verre dans la gueule. Donc, beaucoup de casse encore une fois, je rappelle. Un gros groupe, hein, je sais pas si vous voyez d'ici. Ah, on prend les buts chez vous. Donc là, donc je sais pas où ils vont, à droite, à gauche, à droite, ok. Un gros groupe, hein, encore une fois. Je sais pas si vous voyez un peu. Donc, depuis tout à l'heure, il y a eu un groupe. Ah, encore de la casse. Il y a eu un groupe qui s'est séparé. À mon avis, ils n'ont pas rejoint parce que les CRS sont arrivés à temps. Enfin, à temps, ils sont arrivés plus tôt que prévu. Là, il y a une tentative. Les bouteilles sont montées, les voitures sont pétées. Donc, ce sont des boucards. Je ne sais pas si vous voyez un peu les véhicules. Je ne sais pas si on voit où il fait nuit. Donc juste à côté de moi, un corps vient d'être cassé. Donc beaucoup de personnes qui huent, beaucoup de personnes qui disent de montrer vos visages. Donc toutes les voitures sont saccagées, tous les vélos sont saccagés. Donc beaucoup de personnes demandent aux gens qui saccagent d'enlever le masque. Donc ils refusent, ils partent. Beaucoup de casse, hein. Je le rappelle, hein. Beaucoup, beaucoup de casse. Voilà, c'est très tendu. Hein. Beaucoup de personnes huent les gens qui saccagent les véhicules, les vitrines. Ils leur demandent même d'enlever
d'enlever les cagoules et montrer les visages.